sur la Team Z. Donc aujourd'hui, on va fêter l'anniversaire des 1 an de la Team Z. Donc là, on va un peu parler, on va faire la parlotte, on va dire qu'est-ce qui pourrait, enfin, on va voir les nouveautés, tout ça, tout ça. Aussi, merci pour les 400 abonnés, c'est un énorme plaisir d'avoir en même temps les 1 an de la chaîne et en même temps les 400 abonnés, ça fait hyper plaisir. Et donc, on commence tout de suite avec la première nouveauté. Donc, c'est le logo que vous voyez apparaître à votre écran. Donc, ce logo est très joli et donne aussi du peps à la chaîne. Parce que comme vous avez vu, l'ancien logo, il était kaki et ça avait pas forcément des couleurs très joyeuses et tout. Et donc, du coup, on n'était pas dans le fun du logo. Donc là, le logo est super fun et donc du coup, je vous invite à venir checker la team pour ça. Et donc du coup, ensuite, qui dit nouveau logo, forcément nouvelle bannière, et la nouvelle bannière hyper bien avec toute l'expérience de la team Z, c'est-à-dire j'ai mis des miniatures de vidéos qui ont eu beaucoup de succès. Il y a eu du Demain nous appartient, du Brawl Stars et tout. Ensuite, nouveau générique, donc il n'a pas trop changé comme vous l'avez vu en début de vidéo. Donc le nouveau générique, il n'a pas trop changé, c'est juste, il y a eu un truc comme s'il y avait de l'électricité. De plus, c'est juste ça qui change, donc nouveau générique, les grands mots tout de suite on sort. Voilà, et donc du coup, en début de vidéo importante et tout, vous aurez... mon assistante Gladys. Alors bientôt elle va avoir une voix. Là pour l'instant elle n'a pas de voix. Donc voilà, vous avez vu, vous avez commencé à voir en début de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, ces petites nouveautés. Ensuite il y a des nouveautés aussi de programme. Je vous rappelle que avant cette vidéo, on avait du lundi prime d'appli, enfin test d'appli, le mercredi du Brawl Star, même si Rapta en fait plus trop, mais il va en refaire. Ensuite, on avait du Demain nous appartient le dimanche. Et puis le samedi, on avait du Prime du samedi. Alors le problème, c'est que il y avait du coup, moi je devais assumer 3 vidéos. Et 3 vidéos, vraiment, c'est trop, d'accord, pour moi. Donc j'ai décidé d'enlever le Prime du samedi. Donc maintenant, dans la semaine, vous aurez le lundi. Le test d'appli, vous avez le mardi il n'y aura rien, le mercredi vous aurez Brawl Stars, et puis le dimanche vous aurez du coup donc vous aurez Demain nous appartient. Après le prime du samedi, on va dire que il disparaît pas pour autant, d'accord. C'est-à-dire que ce sera le prime spécial, donc ce sera pas tous les samedis, tous les vendredis, tous les... Enfin, etc. Ce sera dans le week-end, c'est sûr. Donc du coup, ce sera quelques fois. Ce sera une fois tous les je sais pas combien. Enfin voilà, après, ça dépendra quand est-ce que je veux le faire, etc. Et donc du coup, il y aura quand même d'autres choses que Demain nous appartient. Test d'appli et du Brawl Star, il y aura toujours la team astrologie, toujours... la team intrus, toujours comme ça. Et bien sûr, il y aura les... après, il y aura des périodes spéciales, par exemple à Noël ou à Halloween ou à Pâques, enfin voilà, ou à la Saint-Valentin, enfin là où j'ai fait une vidéo. Donc voilà, tout change et on bouleverse un peu le programme pour pouvoir faire ça. Donc je suis très contente que la Team Z ait tenu 1 an, d'accord. On a vu plusieurs vidéos évoluer, d'accord. La vidéo avec plus de vues, c'est celle sur l'incendie. Donc elle a été très bien faite et moi c'était une super théorie et vous avez été 20 000 à la regarder, enfin 21 000 actuellement à la regarder. Ensuite il y a la vidéo Sophia Manon qui a commencé avec le succès de la chaîne. Actuellement elle a plus de vues, mais avant elle était plus basse que ça. Et donc du coup ça a contribué au succès de la chaîne, même si on peut pas dire que c'est un succès, enfin voilà, on a quand même 400 abonnés. Et voilà, pour nous en fait, par exemple pour moi dans mes vidéos Demain nous appartient et même dans Brawl Stars et tout, en fait on veut pas partager, enfin on veut pas, on fait pas tout ça pour les vues, pour l'argent ou pour les abonnés ou je sais pas quoi. En fait nous on veut juste partager nos passions,
D'accord, moi je sais que ces demandes appartiennent et les tests d'appli j'aime bien aussi. Et donc en fait pour les tests d'appli par exemple je vous donnais des tests, enfin je vous donnais des applis sympas à jouer quand vous êtes hors co ou alors quand vous êtes co aussi. Après dans demandes appartiennent je vais aussi vous apporter mes théories, enfin voilà comment je pense, comment je vois un petit peu les choses. Et après j'aime bien aussi voir vous. Comment vous voyez, et si on pense la même chose, si on pense pas, ben voilà, c'est exactement ça. Et Raptal, c'est la même chose avec Brawl Stars, d'accord? Il partage sa passion, il adore les jeux vidéo, et du coup, il fait du Brawl Stars. L'autre fois, il a fait du Hello Neighbor, donc voilà, il fait vraiment des types de vidéos gaming, mais lui, il adore le gaming, et il veut vous transmettre sa passion gaming. C'est comme moi, j'adore Demandes Appartiennent, je transmets ma passion de Demandes Appartiennent. C'est comme les tests d'appli, enfin voilà, j'ai plein d'autres passions, mais il y a certaines passions qui peuvent pas se faire dans des vidéos. Et donc voilà, c'est pour ça que moi, enfin nous, on fait pas ça pour les abonnés, pour l'argent ou quelque chose comme ça, comme je vous l'ai dit. On fait plutôt ça pour transmettre nos passions et donc du coup avoir plusieurs points de vue, partager les choses avec vous. C'est pour ça qu'aussi cette année, il y aura des lives, d'accord? Comme ça, on pourra plus parler avec vous. Enfin, parler, du coup, vous vous commenterez et moi, je serai enfin, moi ou Rapta, on sera en direct. Ensuite, c'est la même chose aussi pour les. Y aura plus de libre antenne sur Discord. C'est-à-dire que vous pourrez parler avec moi en direct. Il n'y aura pas de commentaires ni rien. En direct, c'est pas comme YouTube. C'est tout le monde parle en même temps. D'accord? Et donc, ce sera sur le Discord. Ensuite, ce qui a évolué aussi, c'est les réseaux. Donc du coup, maintenant, nous avons Discord, c'est la Z Family, tout est en description, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez à l'écran comment je montre la Z Family. Alors on a la Z Générale, etc. Et donc en fait, tous les trucs, vous avez des vocales, des générales et tout, donc on est assez dans le serveur. Mais il faudrait vous abonner parce que vraiment, c'est super sympa. Je vous donne les programmes à la télé, d'accord? Les programmes que vous voulez regarder, enfin que vous pouvez regarder, etc. Ensuite, il y a des sondages. C'est très actif, je suis très actif en tout cas. Voilà, il y a aussi, tiens, je vais sortir une nouvelle vidéo dans tata d'heure. Ou alors demain, je vais vous sortir une vidéo. Ou alors, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et moi j'adore vous... Donc je suis très très active sur Discord. Ensuite, on a aussi Twitter, donc c'est @zlateam. Donc ça aussi, je l'ai refait, j'ai refait le logo, donc j'ai refait tous les logos, d'accord? Que ce soit les réseaux, que ce soit pour la chaîne, j'ai tout refait. Et la nouvelle bannière aussi. Donc du coup, Twitter, on annonce les vidéos, mais peut-être aussi qu'on mettra les concours de dessin, les machins bidules, parce que ça va arriver pour les 500 abonnés. Enfin voilà, on va faire des concours de dessin. On peut très bien faire aussi, je pense que je vais poster des vidéos un jour sur Twitter aussi, ou alors des exclus Twitter, des exclus Discord, etc. Après, peut-être qu'à un moment, pour l'instant c'est pas prévu, mais peut-être des giveaways, hein. Genre on vous achète des skins ou une carte Play Store, ou je sais pas, hein. C'est pas à l'ordre du jour. Mais après, peut-être qu'on pourra faire ça, ou alors on vous offre, je sais pas quoi, un objet, ou un truc dans le genre, ou qui vient de sortir, on sait pas. Donc voilà, après on verra au fur et à mesure, ou alors du Demandes Appartiennent, on vous offre les DVD des 3 saisons de Demandes Appartiennent, j'en sais rien. Mais peut-être qu'on fera des giveaways, ça se déroulera sur Twitter que Discord, parce que c'est un peu plus sérieux. Après, c'est pas à l'ordre du jour les giveaways, je vous le dis tout de suite, donc ne vous attendez pas à avoir un giveaway demain. Donc voilà aussi les lives, on aura largement plus. Après, on va essayer de tenir le rythme des vidéos. Enfin voilà, avoir une vidéo pendant le programme. Après, le logo et la bannière, je pense pas le changer tout de suite. Ou alors je changerai pour des occasions spéciales, mais après il reviendra. D'accord, je pense changer genre pour Noël. Enfin voilà, pour Noël, pour Halloween, enfin voilà, pour des occasions spéciales. Mais je pense qu'on le changera l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire, soit on le changera en septembre, soit on le changera en janvier, soit on le changera le 26 février, le jour anniversaire de la Team Z. Mais en tout cas, c'est sûr, on ne changera pas là, d'ici un mois, d'ici deux mois, d'ici trois mois, d'ici quatre mois. On le changera au max, enfin au minimum. Enfin, la date qui est le plus avancée de nous,
c'est septembre à la rentrée des classes. Parce que à la rentrée des classes, c'est comme si c'était une nouvelle année, enfin voilà, qui commençait pour vous. Voilà, parce que, enfin voilà. Donc, ça fait comme si c'était une nouvelle année, parce que tout le monde reprend le travail, tout le monde est... Parce que les vacances d'août et de juillet, ça remet un peu la tête en ordre. Et souvent, nous, on a nos vacances et tout, donc vous aurez moins de vidéos pendant les vacances de juillet ou d'août. Enfin voilà, on verra. Mais on les prévoit, donc vous aurez quand même des contenus, hein, mais moins. Donc genre une vidéo par semaine au lieu de trois. Donc c'est vrai, c'est conséquent, c'est réduit quand même. Mais après, c'est conséquent aussi pour nous, parce qu'il faut qu'on les fasse à l'avance. Donc voilà, du côté de mes vidéos de Mandes appartient, alors je vais toujours vous faire les vidéos théorie. Par contre, vous aviez vu là avant que moi je faisais une semaine théorie, enfin en fait sur deux semaines. Une semaine je faisais des théories, une semaine je faisais rien. Et donc j'ai décidé de la semaine où je faisais rien, dont demain nous appartient, je vais faire une semaine théorie. Après, si j'ai le temps de faire la deuxième semaine de la théorie, je ferai de la théorie. Si j'ai pas le temps de faire de la théorie, je vous ferai un court métrage. J'ai plein de courts métrages en lice là. Je vous ai déjà fait sur Victoire, sur Maxime, sur Karim. Il y en a un qui arrive sur Flore bientôt. Après, il y en a plein d'autres qui sont déjà prêts, il y en a plein d'autres qui sont pas prêts, mais qui sont déjà, enfin, où j'ai déjà recueilli les trucs. Donc voilà, il y a plein de trucs qui vont se mettre en place et qui vont être assez sympas. Donc voilà, c'est des mini-séries comme Sa vie dans Demain nous appartient, le personnage Sa vie dans Demain nous appartient. Après, je vais aussi vous faire des familles, etc. Donc ça peut être sympa. Ensuite, j'ai aussi des projets très différents, d'accord, sur la Team Z qui serait plus. Enfin voilà. J'aimerais bien faire des débats donc voilà, avec des thèmes très pas forcément plus enfin voilà, qui rentrent vraiment dans un contexte, etc. Donc voilà, moi possiblement ce serait les débats, donc genre le débat Z ou un truc dans le genre, ou Z débat ou un truc dans le genre. Donc voilà, ce serait en live, donc voilà, ce serait cool. Donc ça c'est un de mes projets, on verra ça. Ensuite, pour le Prime spécial, j'ai plein de choses dessus. Ça, c'est sûr. Après, si vous voulez faire aussi des vidéos avec moi, vous allez sur Discord. Il y a déjà deux personnes qui m'ont demandé. Donc là, j'ai pas encore tourné les vidéos avec eux. Mais s'ils me regardent, vous inquiétez pas, je vais tourner vos vidéos avec vous. Voilà. Et donc, j'ai tout dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à vous abonner aussi au serveur Discord et au serveur Twitter, et moi je vous dis à bientôt, bye!